Salut et bienvenue dans ce tuto. Je vais vous montrer comment bypasser notre compte Google du Samsung A03 Core. Oui, cette méthode marche avec la plupart des Samsung ici qui ont la fonctionnalité étoile Jazz, 0 étoile Jazz qui ne marche pas du tout. Si cette fonctionnalité ne marche pas du tout, ne vous inquiétez pas ici. Vous pouvez passer par un autre tour pour pouvoir débloquer ce téléphone ici. Donc, suivez attentivement ici. La méthode qui va nous aider, c'est la méthode de test point ici, puisque le étoile Jazz, 0 étoile Jazz ne passe pas. Donc, nous serons obligés de passer par la méthode de test point ici. Donc, ici, dans test point, vous venez dans test point, étant dans Unlock Tool, vous venez choisir Samsung. Samsung ici pour pouvoir voir le test point qui nous intéresse ici. Donc, nous allons chercher A03 Core. Voici la liste des Samsung qui marche avec la fonctionnalité la fonctionnalité test point ici. Donc vous regardez, c'est facile, le test point de votre téléphone Samsung A03 Core qui est là. Donc vous maintenez les deux touches avant d'insérer le câble pour pouvoir faire le bypass facilement. Donc ici, suivez bien, suivez très bien. N'ayez pas peur de démonter le téléphone, que ce soit votre téléphone, que ce soit le téléphone du client. Voilà, parce que si vous n'avez pas fait ainsi, les méthodes manuelles, ce sera très difficile pour vous. Très difficile parce que ils vont vous présenter plusieurs vidéos qui vous montrent facilement comment débloquer ça. C'est vrai, vous pouvez aller jusqu'à ce que vous arriviez à débloquer ce téléphone. Donc moi, je vous conseille un peu d'utiliser ces différents logiciels ici. Donc, vous allez suivre ici et nous allons aller pas à pas pour ne pas que vous soyez, pour ne pas que vous perdiez. Donc ici, nous allons lancer ici Eras FRP étant dans A03 Core. Voilà. Donc, si vous suivez. Bon, lorsque vous finissez de lancer, on vous demande ici de maintenir la touche Power Off Power. Donc, ici, ou bien la Test Point Connect. Donc, vous êtes obligé de, comme je disais tantôt, démonter le téléphone et passer par la méthode de Test Point ici en maintenant les deux touches ici. Je vais vous montrer pas à pas ici et suivez. Allons avec. Donc, je vais chercher à démonter mon téléphone et maintenir le test point ici. Donc ici, voilà, voyez, vous connectez mon téléphone et vous suivez. L'opération a commencé, le déblocage a commencé ici. Donc si vous suivez toujours, vous suivez jusqu'à ce que on met à la fin Eras FRP OK. Donc vous suivez toujours, voilà. Donc vous regardez ici. C'est très simple. Eras FRP OK. Donc, c'est pour tous ceux qui n'ont pas encore la licence Unlock Tool ici. Je vous dis bien, ce logiciel est très très bon et le logiciel est complet parce qu'il contient tout. Il contient de même à la fonctionnalité Apple et d'autres fonctionnalités que vous allez voir lorsque vous aurez votre licence ici. Je n'oblige personne à acheter la licence ici, mais puisque moi, ici, dans le métier du déblocage ici, c'est ça. J'essaie de vous montrer ça. Donc, je vais vous montrer que le téléphone est vraiment bypassé ici. Donc, vous suivez. Et c'est parti. Voilà. Donc, ici, après avoir fait tout cela, nous allons chercher à allumer le téléphone. Quand vous allumez le téléphone et tout ce que vous savez faire, vous appuyez seulement que suivant jusqu'à ce que la fonctionnalité, jusqu'à ce que le menu sort. Voilà, donc ici, vous suivez jusqu'à la fin. Ok, donc c'est la première fois que vous voyez mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, de liker, de partager mes vidéos avec d'autres personnes ici. Donc, si vous avez des suggestions et des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et aussi de liker mes vidéos aussi. Donc ici, merci, Susu, nous allons nous arrêter là, vous donnez rendez-vous une prochaine fois dans un autre tuto. Si vous aimez la vidéo, partagez. Donc, ciao, ciao, et à très bientôt ici. Tout ce qui vous reste à faire, suivez jusqu'à la fin du processus. Merci et...